Je suis exploitant agricole et riziculteur en Camargue. C'est un métier un peu dévorant, mais passionnant, parce qu'il faut toute la journée surveiller sa rizière, s'assurer des niveaux d'eau, la levée du riz, on la cajole quotidiennement. On sème à la volée du grain à hauteur de 200 kg hectare. On est loin de l'image d'Épinal, des riz asiatiques qu'on repique à quatre pattes, ce serait inaccessible, mais ce serait intéressant parce qu'on pourrait faire éventuellement deux récoltes. Nous ici, le Rhône est canalisé pour pouvoir irriguer cette zone. On est obligé de pomper avec des stations de pompage. C'est sûrement l'enjeu majeur pour l'avenir de l'agriculture en France. Il y a un grand équilibre sur la Camargue qui a une zone de biodiversité, un parc, des éleveurs, des marais où il y a des oiseaux qui prolifèrent. C'est un peu grâce à la riziculture. Il faut vraiment que cette culture perdure pour l'avenir de ce territoire.